Alors, première question, Monsieur Cholvy, y a-t-il pour vous une spécificité du fait religieux? Oui, la question est très pertinente. Il faut appréhender celui-ci au sens large et non pas étroit, c'est-à-dire des religions instituées. La religion, une aspiration à l'absolu, au divin, le sens du sacré. Je me suis inspiré de l'Homo religiosus de Mircea Eliade. Mais on revient de loin, car il y a un siècle, il y avait des historiens de l'histoire de l'Église. Kirchengeschichte, la célèbre collection Flich et Martin, histoire de l'Église. C'était identique chez les protestants aussi. Il fallait donc déconfessionnaliser cette recherche. Ce fut très difficile, car chez nous, beaucoup ont entendu histoire religieuse en fonction d'une seule confession. Et qui plus est, ce renouveau s'est produit au moment du Concile Vatican II, et comme après chaque concile, Concile de Trente ou Concile Vatican II ou Réforme protestante, on a mésestimé les clercs, tout ce qui était religion populaire, un amas de superstitions. Et j'ai lu avec intérêt Jean Danielou, L'oraison au problème politique, un chrétien est toujours un païen en voie de conversion. Enfin, on était en pleine époque du marxisme triomphant. C'était la science des sociétés, ça ne se discutait pas, et dans le monde intellectuel, comme le monde, le baromètre de l'école normale supérieure, le marxisme était omniprésent. Alors, en ce qui me concerne, j'ai été prévenu d'emblée de cette perception. Né et élevé au Maroc, j'ai côtoyé au lycée des musulmans et des juifs, beaucoup de juifs. J'ai même eu en terminale un ami adventiste. Étudiant à Montpellier, je suis logé chez des Bourguets. Ça vous parle, les Bourguets? Travaillant à Montpellier sur le diocèse, département d'Hérault, je n'ai pu méconnaître le fait protestant, bien entendu, calviniste en l'occurrence. Ouvrez le tome 1 de l'histoire religieuse de la France contemporaine, ce qu'on appelle le Chauvillers, et vous verrez que pour ce qui est de la religiosité, c'est-à-dire la religiosité populaire, différente du prescrit, eh bien, ces chapitres sont signés de moi et s'appuient sur le soubassement des traditions, des pratiques ancestrales. J'ai voulu volontairement, à propos des rites de préservation, comparer celui des Corses et celui des Juifs d'Alsace. Bon, je fais bref, je dois une dette considérable aux travaux de l'ethnologie et d'Arnold Van Genep en particulier, qu'il s'agisse des leveurs de sorts, des sorciers, une imbrication permanente, qu'il s'agisse de l'eau bénite, qu'il s'agisse des rameaux, des cloches. Et on voit très bien qu'après Vatican II, des errements extraordinaires, pour ne pas dire des bêtises extraordinaires, ont été faites par le rigorisme. Donc, mon point de vue est de souligner la recherche comparée et son importance. C'était naturel pour moi de mettre l'accent non pas d'abord sur la religion des élites, mais sur celle des masses, d'en cerner les différentes dimensions, au-delà de la pratique, boulard, combien de gens sont à la messe, combien de gens font leur Pâques, au-delà des grands moments de la vie. Et cet itinéraire, comment y ai-je été conduit? D'abord l'observation de la carte boulard, bien entendu, cette fameuse carte de pratique religieuse, il fallait remonter, comment l'expliquer? La filiation, ce que je dois à Alphonse Dupron, il n'était pas pour l'histoire quantitative, hein, sûrement pas, ce que je dois à Gabriel Le Braz aussi. Les rencontres de Labussière, je crois que c'est important aussi, ces rencontres des années 60, Marvenard et autres, autour de Labussière, avant l'Association française d'histoire religieuse contemporaine. Et si vous m'interrogez sur une discipline autre que celle de l'histoire qui m'a marqué, je dirais, c'est la géographie. Vous allez me dire la géographie, la géographie de Villa de l'Ablage, la géographie vide alien, étude des espaces. Alors bien entendu, ça majore les espaces ruraux et ça laisse de côté largement les villes. Mais quand je me penche sur l'historiographie, j'aimerais bien qu'on me dise sur la géographie, sur l'histoire religieuse urbaine, quels sont les progrès qui ont été faits. C'est très difficile au niveau des sources. Je pense aux travaux de l'abbé Charpin à Marseille. Les délais de baptême, ça c'est utile pour les villes. Mais comment s'y colter lorsque on n'aime plus l'histoire quantitative? Et là, c'est vraiment un quantitatif, je dis pas sans espérance, mais enfin, un travail extraordinaire. N'empêche que
que ça a été fait pour Béziers par Jean-Claude Chazal, un de mes étudiants, et ça a été, je crois, très utile. On a montré des contrastes qu'on ne peut pas étudier dans le monde rural. Alors, si vous aviez été gésiste et vous avez commencé donc à travailler au moment du concile, donc vous n'étiez pas très préparé à donner un sens très positif aux manifestations de la religion populaire. Donc, qu'est-ce qui vous a guidé vers un regard positif ? Oui, j'ai été gésiste sans une adhésion fanatique et frénétique. Bon, ce qui fait que de mon passage au centre catholique universitaire dont j'ai été le président, le bon souvenir, c'est plutôt une exposition que nous avions organisée sur le Maroc avec l'appui du consulat à Marseille. Alors vous voyez, c'est assez différent. Et mon premier exposé en fac a été sur Fès au XIXe siècle, proposé par le professeur d'Hermini. Donc je crois que l'adhésion à un mouvement tel qu'il était à cette époque correspond bien entendu à un engagement personnel, mais avec des vues larges sur d'autres horizons. D'accord, mais en particulier, quand j'étais un peu en pointe dans la sécularisation, y compris du regard sur la religion. Ah oui, il n'y a aucun doute. La thèse ces idéologies-là ne vous ont pas trop absolument marqué. Pas. La thèse de Bernard Giroux le montre, qui vient d'être récemment publiée sur la GEC, avec une critique de ma part, c'est que c'est trop la religion vue d'en haut. Il eût fallu étudier les agendas de la GEC. C'est une mine extraordinaire, j'en ai une trentaine, une mine tout à fait extraordinaire, ces agendas des éditions de l'EPI, qui apportent beaucoup, y compris ce proverbe chinois que je cite, « Il vaut mieux le silence que la parole, méfie-toi quand tu parles ». Alors, bon. Alors, je me rappelle que dans vos cours, vous insistiez beaucoup justement sur vos expériences en Afrique du Nord, et sur l'IoT, enfin sur un certain nombre de réalités. Et alors, dans votre itinéraire, à quel moment êtes-vous arrivé en métropole? Et donc, j'imagine que ça a été un déracinement aussi religieux, d'arriver dans une région comme Montpellier. Comment vous avez perçu le passage d'un univers religieux à l'autre? Oh, j'étais déjà à la GEC un peu à Casablanca, mais à Montpellier, j'ai découvert des étudiants musulmans. Mohamed Ramisti, qui était le président de l'Union Générale des étudiants musulmans algériens. J'ai des photos avec lui, j'ai des relations avec lui. Il a été le premier des ministres des Affaires étrangères, exécuté bien entendu, ensuite. Donc la palette était large, je crois. Et avec nous avions d'excellents rapports également dans ces années difficiles de décolonisation, appréhendées avec prudence d'ailleurs de ma part. Hein, dans ces années-là, on n'imaginait pas l'indépendance de l'Algérie. Il faut être vrai, n'est-ce pas? Celle du Maroc, oui, bien sûr. 56. Mais l'Algérie, c'est venu après, n'est-ce pas? Et vraiment lentement. Est-ce que c'est ça qui peut expliquer peut-être la perspective européenne, internationale? Alors, la perspective européenne, elle n'est pas venue du premier coup. Les forces humaines ont des limites, tout le monde le sait, et je suis passé de l'histoire du jeu de la France, nous dirons, et de la religion en France, j'ai élargi, d'abord en comparant les fameuses cartes de pratiques religieuses. Vous vous souvenez peut-être, Pierrine, vous aviez organisé un colloque sur l'anticléricalisme, et à cette occasion, j'ai exploité cette fameuse carte Boulard de pratiques religieuses qui permet de repérer un anticléricalisme qui va du sud Portugal, qui comprend l'Andalousie, qui remonte bas le midi méditerranéen et qui retourne en Italie, dans le sud de l'Italie. On ne peut pas comparer. Il y a une géographie religieuse de l'Espagne, il y a une géographie religieuse du Portugal, il y a une géographie religieuse de l'Italie. Alors ça, c'est une approche géographique. Et puis, il y a bien sûr les cours d'agrégation. Les cours d'agrégation, dont le dernier, culture et religion au XIXe siècle, en 2002, qui m'a permis de travailler sérieusement et de comparer Irlande, Grande-Bretagne, France, Allemagne et Italie, au prix d'un effort de recherche, mais c'est normal, quand on paye un cours d'agrég, il faut des recherches. Donc, un élargissement qui s'est traduit aussi, pour ce qui est de l'international, par des rencontres. Je pense à ce colloque de Strasbourg qui a été tenu en 1987 sur les mouvements de jeunesse et au cours duquel il y a eu d'interventions de Belges, de Polonais, d'Espagnols, d'Italiens. Donc, un élargissement progressif, mais ça n'a pas été spontané, n'est-ce pas? C'est venu dans un second temps.
Alors, vous parliez de la carte Boulard. Est-ce que je crois que vous avez fait partie des équipes qui ont cartographié, qui ont contribué à la cartographie Boulard. Ça aboutit à ces matériaux pour l'histoire religieuse du peuple français. Mais vous savez, le tome 4 est paru il y a très peu de temps, n'est-ce pas, 2011, et ça a pris du temps. J'ai dirigé le tome 3. Et je crois que là, on a mis au point un certain nombre de données intéressantes qui ne concernent pas d'ailleurs uniquement la messe et les Pâques. Par ailleurs, il ne faut pas être dupe. Chacun sait que pour faire ses Pâques, dans le Narbonnais ou dans le Limousin, quand on était un homme, il fallait être un héros. Et pour ne pas les faire en Haute-Lozère ou en Vendée militaire, il fallait être aussi un héros. Donc, prenons des distances par rapport à ce que révèlent les chiffres. Néanmoins, c'est une base intéressante de réflexion. Les politologues Gogel et compagnie l'avaient bien remarqué. Carte politique et carte de pratique religieuse se superposaient. Attention, ce n'est plus vrai dans les années 80, avec le passage, par exemple, dans l'Ouest, de militants d'Action catholique au Parti socialiste. Ça, récemment, il y a eu l'HDR de Guillaume Cuchet, là, où il y a tout un paragraphe sur le. Tout un chapitre consacré à la cartographie Boulard. Et il notait un peu avec ironie, disant que on a objectivé la pratique religieuse au moment même où elle s'effondrait. Et ce qui a contribué, disons, à l'aveuglement d'un certain nombre de pastorales qui continuent à fonctionner sur la cartographie Boulard, alors même qu'il ne restait plus grand-chose. Aucun doute, j'ai beaucoup lu Guillaume Cuchet, que j'apprécie beaucoup, et je lui suis très reconnaissant d'un aveu, c'est-à-dire l'adhésion à cette hypothèse de flux et de reflux du sentiment religieux, que pendant des décennies, des sociologues des religions, influencés par le schéma d'Auguste Comte, n'est-ce pas, évolution linéaire, ont nié, soit parce qu'ils se contentaient d'étudier le XXe siècle, et par conséquent n'avaient pas un horizon remontant au milieu du XVIIIe, soit parce qu'ils étaient enfermés dans le schéma positiviste, la science est le dernier état de l'évolution de l'humanité, il n'y a plus rien à ajouter. Je crois que Guillaume Cuchy a très bien perçu cela, flux et reflux. Il s'agit d'une hypothèse, bien entendu, qui se vérifie, et pas uniquement pour la France. Alors vous êtes parti de la géographie, vous l'avez dit, la géographie religieuse de l'Hérault. Quelles ont été les thématiques de votre parcours de chercheur? Ensuite, nous sommes passés avec Yves-Marie Hilaire surtout à l'ensemble de la religion de la France et surtout dans le cadre du Gréco 2 du CNRS, dont je voudrais souligner l'importance, y compris financière d'ailleurs, souligner l'importance. J'ai été le responsable d'un objectif national. L'objectif national, c'est organisation de jeunesse, avec des difficultés, des succès, l'idée de faire, d'abord de repérer et conserver les sources. Pensez que dans le seul département de l'Ardèche, il y avait 60 dépôts différents recensés, cependant de l'Ardèche, sur ces organisations de jeunesse. Il fallait remonter aux témoins de l'amont, c'est-à-dire au patronage, qui en faisait partie, bien entendu, qui avait été négligé, colloque à Paris. Le grand succès a été les recherches sur le scoutisme. Et je ne saurais trop me féliciter d'avoir favorisé le travail de Jean-Jacques Gauthier, inventaire de la bibliographie et des sources. La déception, ça a été de ne pas avoir trouvé d'étudiants travaillant sur la JOC ou la JAC, jeunesse agricole catholique, jeunesse ouvrière chrétienne, parce que c'est vrai, massivement, les anciens scouts étaient nombreux. Mais attention, il fallait les mettre en garde, et en particulier contre la juxtaposition de la mémoire et de l'histoire. À plusieurs reprises, à Paris ou à Lyon, on a organisé des rencontres avec des témoins. Ces témoins, ils racontent leur jeunesse, ils l'idéalisent, on a tout inventé. Non, c'était très différent des patronages, nous raconte tel ancien dirigeant de la JOC, ce qui est archi faux. Tout le monde sait que les premiers dirigeants de la JOC ont été recrutés dans les patronages. Alors vous avez évoqué à plusieurs reprises Yves-Marie Hilaire. Comment est-ce que vous l'avez rencontré? Comment est-ce que vous en êtes venu à travailler ensemble? Nous nous sommes rencontrés dans les rencontres dites de la Bussière, qui vont démarrer sur ces rencontres importantes en 1962. Et ensuite, comme lui faisait une thèse sur le diocèse d'Arras et moi sur le diocèse de Montpellier, nous avons travaillé ensemble, enfin une mission universitaire importante, à Rome. Archives du Vatican. Ils ne sont pas très laborieux, les employés des archives. C'était difficile d'avoir des documents. Mais enfin, elles se sont ouvertes.
on avait des recommandations. C'était pas évident. Hein. Elles se sont ouvertes, mais au-delà de la période autorisée, on a réussi à avoir des documents parce qu'ils n'étaient pas au courant. Les archives nationales sont beaucoup plus prudentes. Quand je pense qu'on m'a refusé le dossier d'un évêque du Second Empire, pourquoi? Parce qu'il y avait des documents compromettants pour des familles. Aux archives nationales, parce qu'ils savaient ce qu'ils avaient. Mais ces documents compromettants à Rome, comme ils ne savaient pas ce qu'ils avaient, je les ai trouvés aux archives du Vatican. S'il n'y avait pas de quoi, sauf si on était journaliste au canard enchaîné, fouetter un chat, n'est-ce pas? Bon, alors ça a été très utile avec Hilaire, cette mission en commun. Nous avons profité d'aller voir aux archives des jésuites, avec l'appui du père Paul Droulers, un jésuite qui mérite d'être relevé, les archives de telle ou telle congrégation. Moi, je suis allé chez les maristes, par exemple, et ça a été très fructueux. Et ensuite, on a continué, puis on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de faire, avec l'appui de Philippe Wolff de Toulouse, une histoire religieuse de la France contemporaine. Attention, les éditions privées n'ont pas respecté notre intention. Nous voulions faire histoire religieuse du peuple français. Maladroitement, je crois, ils ont repris le titre d'Adrien Tancette, Histoire religieuse de la France contemporaine. Mais il suffit de lire notre premier tome pour s'apercevoir qu'il s'agit bien d'une histoire religieuse du peuple français. On a négligé les aspects politiques qui ont été repris ensuite dans les deux tomes suivants. Donc quand vous arrivez à Montpellier, il y avait déjà avant vous toute une tradition d'histoire religieuse attachée à l'histoire de notre université. Comment vous êtes inscrit dans cette tradition-là? Bon, il y avait la tradition d'Augustin Frisch, histoire de l'Église. Il y avait surtout Alphonse Dupron, qui depuis 1941 enseignait l'histoire moderne et contemporaine. J'ai des cours polycopiés de lui sur le Concile de France avec des... C'est vrai, il était un peu mystérieux. Hein. L'empereur est le seul élu de sa promesse. Qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Bon, il envoûtait, il a terminé à la Sorbonne. À la Sorbonne, il avait une cravate, hein, à Montpellier, il n'y avait pas. Bon, il avait toujours un porteur de valise. Il arrivait, il n'avait pas de permis de conduire, naturellement, il arrivait avec un étudiant qui lui portait son cartable. Il était impressionnant, Dupron. Il faisait peur. Au premier rang, il y avait les anciens. Il n'admettait pas qu'on se présente au certificat de licence en première année. Il fallait attendre 2 ans. On était au fond, les petits jeunes, là. Dupron a été, m'a marqué. Je lui ai proposé un sujet de maîtrise. Les vocations sacerdotales dans le diocèse de Montpellier au XIXe siècle, ça l'a pas emballé. Mais finalement, il a accepté ce sujet, n'est-ce pas? Il n'était pas pour l'histoire quantitative. Je témoigne pour lui, je témoigne aussi pour le doyen Latreille, à Lyon. Ça leur plaisait pas du tout. Ils avaient une autre conception de l'histoire que celle que nous tirions des annales économie, société, civilisation, des travaux de Brodel et autres qui nous avaient marqués. Je dois dire que ensuite, comme assistant, j'ai dû faire le cours dit de français historique et de lire donc ces travaux d'historiographie qui ont permis d'avancer dans la réflexion. L'agrégation, vous l'aviez préparée avec moi? L'agrégation, je l'ai préparée tout seul à Montpellier, mais j'ai eu l'immense plaisir d'être reçu au concours de 57, la même année que Jean Perrault, qu'Antoine Prot et que Jean-Marie Mayer, qui étaient d'ailleurs des amis à cette époque-là, n'est-ce pas? Mais moi, je venais de ma petite province, n'est-ce pas? Et eux ont été reçus dans les premiers. Alors, vous avez trouvé un poste à Montpellier, vous avez fait toute votre carrière à Montpellier. Est-ce que c'est un choix? 40 années et je m'en félicite. Au moment de ma soutenance de thèse principale, sous la direction de René Raymond, sur la présidence de René Raymond, la direction de Louis Girard, il y avait eu une vague proposition pour Nanterre, mais je crois que j'étais très heureux à Montpellier durant ces 40 années, et je suis un peu comme les archivistes départementaux, il me semble que le meilleur est de rester en poste et de ne pas voltiger à droite ou à gauche. Donc 40 années durant lesquelles j'ai eu, comme vous le savez, quelques milliers d'étudiants, 300 en maîtrise et une trentaine en doctorat, et parmi ces anciens, une vingtaine qui aujourd'hui occupent des postes en université, curieusement 10 au nord de la Loire et seulement 9 au sud de la Loire. Ça a toujours été pour vous essentiel de soutenir les doctorants, les jeunes chercheurs. De là, de bonnes relations conservées avec des étudiants dont certains me sont très fidèles. Et puis, il y a eu des disciples préférés. Il y en a deux en face de moi, là, par exemple. Hein, Michel Fourcade et Pierre-Yves Kerschlesé. Et je constate qu'ils n'ont pas beaucoup sacrifié à l'histoire régionale, voire même pas du tout. Mais c'est normal. On passe à des horizons
différents de recherche. Et il est vrai qu'il y a un recul en contemporaine, je dis bien, pas en moderne, de l'histoire régionale, pour des raisons faciles à comprendre, qui sont dues en partie au brassage des populations. Les étudiants ont moins de racines qu'autrefois, c'est une des raisons. Et puis il y a des champs de recherche à investir. Après tout, le champ régional, on ne va pas répéter X fois l'histoire du diocèse 2, etc. Un des derniers à l'avoir fait avec moi, c'est Dominique Javel pour le diocèse d'Avignon. Et je n'oublie pas Christian Sorel qui enseigne à Lyon 2 pour la Savoie. Mais il a bifurqué ensuite, lui aussi, comme d'ailleurs moi aussi. En 40 ans, quelles évolutions vous avez pu noter dans votre clientèle, on pourrait dire. Je me souviens des cours que j'ai pu avoir avec vous, où vous pestiez contre l'analphabétisme religieux. Il était là dès le départ ou il s'est aggravé dans votre point de vue ? Nous avions un cours, vous le savez, Michel, d'initiation au christianisme, il y avait aussi islam et judaïsme, qui a été une révélation pour certains étudiants. À l'oral, ils disaient le plaisir qu'ils avaient eu à suivre ce cours, c'est le cours le plus intéressant de l'université. Alors l'analphabétisme... Il est religieux sans doute, il est orthographique, il est... tout le monde sait quelle est la situation actuelle, mais je voudrais, en positif, signaler que dans le domaine religieux, j'ai eu de très grands plaisirs à diriger des travaux de jeunes kabyles algériens de la deuxième génération, venant du bassin d'Alès. Et ça m'a fait plaisir quand j'ai vu soutenir un mémoire de maîtrise par Salim Slimani sur les protestants des Cévennes au moment de la Révolution française, n'est-ce pas ? Et tel autre aussi. Ces garçons avaient un substrat religieux et s'intéressaient beaucoup au christianisme. Je dois dire que certains même ne s'intéressaient qu'au christianisme. Vous étiez dans une génération qui a participé de l'institutionnalisation de l'enseignement du fait religieux. Avec le recul, comment vous percevez, donc il y a eu avec Jean-Marie Mayer, avec Gadi, etc. Comment percevez-vous la possibilité qui s'était ouverte à ce moment-là ? Les possibilités se sont ouvertes à ce moment-là parce qu'il y a eu une démocratisation des études et une régionalisation. Les postes se sont créés en histoire religieuse, entre autres, contemporaine, pas simplement religieuse d'ailleurs. D'ailleurs, mes cours de première année, c'était la France au XXe siècle. C'était pas la religion en France au XXe siècle, c'était la France au XXe siècle. Pendant presque 40 ans, n'est-ce pas ? Bon, c'est devenu plus difficile par la suite, mais je pense que vous-même, vous devez vous l'enseigner toujours, cette initiation au christianisme. L'intérêt des étudiants n'a pas disparu, me semble-t-il, même s'ils ont plus de difficultés à appréhender certaines choses. Mais c'était vrai aussi il y a 40 ans. Il ne faut pas imaginer la science extraordinaire des étudiants dans le domaine religieux ou dans le domaine de la maîtrise de la langue française. Elle était sans doute meilleure il y a 40 ans parce que l'accès au baccalauréat était plus sélectif. Alors, en 40 ans, vous avez vu des évolutions dans les centres d'intérêt des étudiants qui vous proposaient des sujets de maîtrise ? C'est-à-dire que j'ai tellement proposé de sujets sur la jeunesse et ses organisations que je suis peut-être un mauvais témoin de cette évolution. Dans les dernières années, de très nombreux sujets ont traité de ces questions. Et à propos de l'écart entre la foi personnel et le travail que l'on fait, je pourrais citer cet exemple qui me revient à l'esprit. J'ai eu un très bon mémoire de maîtrise sur la jeunesse ouvrière chrétienne dans l'Hérault. Le candidat, aujourd'hui IPR à Montpellier, avait une distance critique par rapport au sujet. Le mois suivant, je suis invité à Toulouse à un juré de thèse sur les jaucistes dans la région de Toulouse. Inconvénient énorme, le candidat était un ancien jaussiste. Eh bien, le résultat a plaidé en faveur de celui qui avait davantage de distance critique par rapport au... Et vous avez toujours été attentif à faire de l'histoire religieuse de toutes les confessions et pas de l'histoire du catholicisme. Ah oui, de toutes les confessions, dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, y compris sur le judaïsme. Sur l'islam, ça a été quand même plus difficile, avec quelques étudiants quand même... maghrébin, l'un d'eux a été doyen de la faculté de Sidi Belabès. Il a travaillé sur les oulémas réformistes, bien entendu. On a fait ce qu'on a pu, mais il y a des sujets plus difficiles eu égard aux sources accessibles. Par ailleurs, bien des sujets ne sont aujourd'hui possibles, je le signale, que par l'accès aux sources. Je pense aux archives
diocésaines, elles se sont ouvertes peu à peu. Ce n'était pas du tout le cas quand j'ai commencé mes recherches. Dans certains diocèses, c'était fermé. Dans tel autre, c'était lamentablement ouvert. Voilà que mes gars arrivent de la Lozère avec les registres de visite pastorale du 19e siècle dans le coffre de leur voiture. C'était regrettable. Bon, ce qui a été très difficile à ouvrir, c'est pour les congrégations religieuses, et très particulièrement pour les congrégations religieuses féminines. Je pense à un de des étudiants qui a soutenu un DEA avec moi, Mathieu Bréchon de Lavernier, et qui travaille sur les filles de la charité. Eh bien, les archives des filles de la charité, il y a 30 ans, étaient rigoureusement fermées. C'était vrai pour beaucoup de congrégations. Donc, il y avait des sujets impossibles à traiter, sauf à se contenter des archives publiques. Mais les archives publiques, ce n'est qu'un regard politique et administratif sur ces questions. C'est pas vraiment... On va pas au fond. Alors, j'étais étonné, moi, après votre retraite, la biographie arrive tard dans votre œuvre. Très bien. Mais oui, j'attendais cette question. C'est une très bonne question. Je ne suis pas comme Jean-Marie Mayer. Jean-Marie Mayer a fait son Abbé Lemire et publié dès 68. Chez moi, c'est arrivé très tard. J'aurais pu écrire un cardinal de Cabrières il y a 50 ans. Il est paru seulement en 2007. J'avais les matériaux, j'ai attendu 2007. Et puis, le virus de la biographie m'est venu peu à peu. Il m'est venu peu à peu, allez, je vais dire, à mon avis, la raison principale. J'ai répondu à des demandes. Une congrégation féminine me demande l'avis de son fondateur. Les frères des écoles chrétiennes me demandent une biographie d'un de leurs frères éminents. La province de France des Capucins me demande une biographie. Allez, honnêtement, j'ai remplacé le chanoine érudit du 19e siècle. Au 19e siècle, c'est un chanoine érudit qui aurait fait ses biographies. Alors, évidemment, j'ai répondu oui, avec plus ou moins de facilité, et bien entendu, il y a eu une biographie éminente, c'est l'opus magnum, c'est-à-dire celle de Frédéric Ozanam, qui avait l'intérêt d'être à la fois un universitaire, alors qu'on le présentait uniquement comme le fondateur de la société de Saint-Vincent de Paul. Double erreur, il n'est pas le fondateur mais le principal fondateur, ce qui n'est pas synonyme. Et alors là, ça a été un très gros travail. Et il m'avait été demandé aussi. On espérait que le livre soit fini pour la béatification de Frédéric Ozanam en 1997. Il se trouve que le livre est paru en 2003, vous voyez, j'ai mis du temps, mais... Il le fallait, eu égard à l'abondance extraordinaire des sources. On n'imagine pas la chance que nous avons, nous, historiens du 19e siècle, à cause de les lettres reçues par Frédéric Ozanam. 1831, il est élève à Lyon. On a des lettres écrites à un de ses amis qui habite dans un autre quartier. Pas de texto, pas de téléphone, rien de tout. Et il dit des choses qu'il n'aurait pas osé dire de vive voix. Donc ça a été un très gros travail, cette biographie, je crois que j'en suis heureux. Émile Poula a dit à propos de ce livre, fait de l'ombre à ce que l'auteur avait produit jusqu'alors. Et pour Jean Mayer, c'était la référence indispensable. Mais vous savez, c'est un énorme travail qui m'a imposé plus tard, en 2012-2013, une édition abrégée, grand public, n'est-ce pas, sur ce personnage intéressant. Bon, on peut préférer Louis Veuillot. Hein. Dans L'Homme Nouveau, ils ont dit Gérard Chauvelis, très bien. Ils pensent qu'on peut lui préférer Louis Veuillot. Évidemment, c'est la tendance de L'Homme Nouveau, n'est-ce pas. Mais ce libéral... ça, c'est pas très bien vu, y compris de nos jours, ce démocrate, ce social, ça passe mieux, ce républicain, rallié en 1848, est un personnage tout à fait hors norme, et en plus, le lien avec son épouse Amélie, qui est mis en valeur par un jeune chercheur qui travaille assidûment sur le sujet, est aussi important. À l'église Saint-Nizier de Lyon, il y a une plaque désastreuse. C'est dans cette église que se maria Frédéric Ozanam. On ne dit pas avec qui, n'est-ce pas ? C'est quand même regrettable. Alors, non, moi je voulais. Vous parliez des demandes des congrégations religieuses. En tant qu'historien du religieux contemporain, donc, quelle a été un peu la demande sociale d'histoire religieuse? Est-ce que, par exemple, en tant qu'intellectuel laïque aussi, je sais que vous avez beaucoup travaillé à la demande d'églises, de congrégations, de séminaires, etc. Comment aujourd'hui trouver le client pour un historien du religieux?
Eh bien, c'est difficile de trouver des lecteurs, en particulier pour ce qui concerne les congrégations féminines. Parce que le lectorat a diminué, les congrégations ne reculent plus guère en France, et donc ça devient plus difficile. Mais enfin, le lectorat s'élargit à des non-membres de congrégations, n'est-ce pas ? Vous avez parlé tout à l'heure de cette petite phrase à propos d'Ozanam, cette remarque qu'on avait faite, une biographie qui porte de l'ombre sur votre œuvre. Quelles ont été finalement la réception, quelle a été la réception de vos écrits ? Je crois que globalement, elle a été bonne. Bon, je mangerais la soupe populaire si je devais vivre de mes droits d'auteur. Hein, mais enfin bon, c'est normal. Mais pour l'histoire régionale, elle a été bonne. Hein. Histoire de Montpellier, histoire du Languedoc, etc. Bonne réception, les éditions privées. Pour l'histoire religieuse, convenable, mais vous savez, le Jolvi-Hilaire, c'est 7 à 8 000 exemplaires, pas plus, hein, c'est pas colossal. Oui, c'est toujours ça. La religion en France, celui-là, le petit Hachette, celui-là a bien marché, celui-là il devait être à 13 000 actuellement. Hachette avait été très vigilant, l'avait fait relire à 50 personnes différentes, et ça vraiment, ça a été un livre sérieux. Les autres, c'est des tout petits tirages. Je suis heureux d'avoir remis en cause le thème qui courait partout sur la déchristianisation ouvrière. Sur la déchristianisation ouvrière, c'était une conviction des années 60. Mais moi, j'avais découvert les faiseurs de bas de Gange, les déléneurs de Mazamé, les ouvriers du textile de Cholet, de Montbéliard, et c'est-à-dire tout le contraire. Pierre Barral avait découvert le paysan ouvrier lorrain, et on voyait très bien qu'il ne fallait pas confondre le métallo de la région parisienne, incontestablement, allez, déchristianisé ou non christianisé, c'est pas synonyme. Parce que bien sûr, pour être déchristianisé, il faut avoir été christianisé. Voltaire a été déchristianisé, c'est un déchristianisé, mais les autres souvent ont été non christianisés. Bon, ça a imposé, là aussi, c'est très important pour cette déchristianisation ouvrière, des nuances régionales. Là où le patron était protestant, les ouvriers restaient fidèles à l'Église catholique. Bon, l'exemple à Millau, à Mazamé ou autre. Enfin, vous le savez, Pierre-Yves, aussi bien que moi. Alors, les travaux sur les organisations de jeunesse au sens large, ça a été un champ neuf de la recherche qui a explosé, nous l'avons déjà dit. Et puis, bien sûr, le stimulant des biographies, c'est plus récent, c'est plus modeste aussi. Je crois que les historiens sont devenus plus modestes, renonçant aux grandes explications générales. Et l'exemple des biographies l'illustre, je crois, très bien. Et votre hypothèse du flux et du reflux, comment est-ce qu'elle a été perçue ? Il y a des résistances. Il y a des résistances, j'en ai dit un mot tout à l'heure. Ceux qui n'ont pas travaillé sur la longue durée résistent. Ceux qui se contentent du 20e, par exemple, résistent. Il faut avoir une appréciation, une recherche sur une beaucoup plus longue durée, à partir du milieu du 18e, pour percevoir ces mouvements de balancier, qui ne sont pas les mêmes partout, hein, et il faut être prudent, n'est-ce pas, qu'on observe, et pas seulement en France, il y a eu des études sur l'Angleterre qui ont été extrêmement pertinentes, et sur l'Allemagne aussi, qui ont été extrêmement pertinentes, et qui montrent cette réalité de mouvements pendulaires. Un autre élément important pour les réveils, les persécutions. Les persécutions font du bien. C'est pas un descendant de Camisard. Non, j'ai pas en face de moi tout à fait. Mais enfin, que je le dirai, c'est évident, n'est-ce pas ? Je l'ai vérifié en Pologne. Je l'ai vérifié en Arménie dans une mission universitaire. Les persécutions font du bien. On le vérifie au Vietnam aujourd'hui, par exemple. Et chez nous aussi, dans certaines régions, les régions où dans la même cache, on a caché le pasteur pendant la guerre des Camisards, et puis le prêtre fugitif pendant la Révolution française, il y a eu une mémoire qui s'est perpétuée jusqu'à des dates, jusqu'à quelle date, je ne sais pas. Mais il y a encore 15 ans, un de mes étudiants, appartenant à une famille d'agriculteurs du Gard, espèce en voie de disparition, dont les parents et les ancêtres vivaient dans la même maison du même petit village Valérargue, m'a apporté un dessin, une reproduction, dans la maison de ses ancêtres, que ses parents habitent toujours, avec la cache du prêtre réfractaire pendant la Révolution française. C'est quand même superbe.
Je sais bien que tel évêque m'avait dit lors d'un colloque, c'est un évêque originaire de la Vendée, on l'appelait le menhir, bon peu importe, Monsieur Cholvy, pendant la Révolution française, on disait la messe chez mes ancêtres à tel endroit. Si vous veniez chez nous à Vinas, me disait un correspondant en 1977, vous verriez le bois de la croix, du bon effet des persécutions, n'est-ce pas ? Vous avez parlé de la déchristianisation ouvrière et de votre rapport là-dedans. Je me souviens qu'au début de mes études, on était Cholvy ou Pierrard. Oui, non, mais il n'y a aucun doute. Décontentieux avec Pierre Pierrard, qui a fait des travaux solides, mais qui était très marqué par son histoire personnelle. Nous avons connu toute une génération qui réglait des comptes personnels et qui a reçu le Concile Vatican II comme étant le contraire de tout ce qui se faisait avant. Alors, tout n'est pas faux, bien entendu, mais Pierrard était l'exemple du culpabilisé qui avait tendance à projeter sur le passé, d'ailleurs en travaillant vite, des convictions de maintenant. J'ai le souvenir de la soutenance de thèse de Mme Marcilassi, c'est une des premières thèses, je crois que c'est 1964, sur le diocèse d'Orléans. Latreille lui a dit, vous projetez sur ces catholiques de l'Orléanais les ambitions des militants catholiques du milieu du XXe siècle. Attention à l'anachronisme. Alors quel était votre engagement dans les lieux collectifs de l'histoire religieuse contemporaine? Ben on parlait de la Bussière d'abord. Alors la Bussière, on parle souvent de Michel de Certeau, notamment à la Bussière. Oui. Qu'est-ce que vous avez pu en penser de son passage parmi vous? Mon éloignement des centres actifs, c'est-à-dire Paris, allez, pour faire bref, n'est-ce pas, a fait que j'ai été moins engagé dans ces débats collectifs. C'était quand même plus difficile. Il y a eu la Bussière, il y a eu aussi avec Jean-Yves Rioux, le journaliste d'Angers à l'époque, enfin de Bordeaux puis d'Angers, le carrefour d'histoire religieuse qui continue toujours et qui a été un élément aussi d'entretien. Je rappelle que c'est en 2001 que l'université d'été du carrefour d'histoire religieuse a obtenu le plus grand succès, plus de 100 participants. C'est pas un hasard, c'est dû au thème « La religion et les femmes ». Et bien entendu, c'était prémonitoire, c'était dans le vent des recherches à faire, pas si facile, mais je crois que c'est important. Alors, autre collectif, bien sûr, le Gréco du CNRS, j'en ai déjà parlé, la revue d'histoire de l'Église de France, qui est très bonne, la Société d'histoire religieuse de la France, plus de multiples congrès et colloques ici ou là. L'idée du carrefour d'histoire religieuse, c'était quoi? C'était d'amener l'histoire religieuse auprès du grand public? Oui, c'était l'idée de ce journaliste, Jean-Yves Rioux. Il était sans doute naïf. Il voulait qu'on retrouve des journalistes et des étudiants. La première université a eu lieu à Bruxelles en 1992. Et de fait, il y avait des étudiants, et même plusieurs de Montpellier ou de Lille. Mais c'est difficile aujourd'hui d'intéresser et de faire venir des étudiants dans ces carrefours. Vous le savez bien puisque vous y participez, vous. Alors, entre la Bussière et puis le carrefour, il y a eu donc l'Association française d'histoire religieuse contemporaine que vous avez présidée. Alors c'était en quelle année d'ailleurs? Durant trois ans, 81-84, comme c'est l'usage, sans renouvellement. C'est très bien, hein, il vaut mieux changer, n'est-ce pas? Bon, on était très liés au Gréco 2 du CNRS et on participait à ses objectifs nationaux. Il y a eu des enquêtes à cette époque, des colloques. Je pense au colloque de la CIEC, la Commission internationale d'histoire ecclésiastique comparée, qui s'est tenue justement durant cette période à Strasbourg en 1983. Et il y avait un dominicain observateur, là, c'est le père Nicolas Jancède. Il vient me voir et me dit, mais vous savez, on peut publier. Ça a donné lieu à ce livre Mouvement de jeunesse, qui a été à nouveau republié ensuite. Il y a eu le colloque national de l'enseignement de l'histoire durant cette période. Et aussi, je voudrais signaler, parce que c'est important, une rencontre que Jacques Prévotat et moi avons eue avec le père Molette, l'abbé Molette, à propos des archives de l'Église de France. C'est un grand problème. Dans quelle mesure sont-elles accessibles et dans quelle dimension est-ce qu'on peut tout livrer au public? Je crois que ça a été les principaux événements durant cette présidence de trois années à laquelle a succédé
Étienne Fouillou. Et pour vous, quel était le but, le rôle de l'Association française d'histoire religieuse contemporaine? De fédérer, de réunir tous ceux qui s'intéressaient et d'avoir une réunion tous les ans pour rencontrer un bulletin annuel aussi, qui est toujours très utile, un annuaire très utile. J'ai encore consulté ce matin l'annuaire de 2013, il est très utile. Maintenant on met les adresses mail en plus, c'est très bien. C'est une fédération. Bon, on y vient ou on n'y vient pas, on espère qu'au mois de septembre prochain, les journées seront réussies. Et à votre avis, la FHRC a rempli son rôle? Elle a donné une visibilité à l'histoire religieuse qui est parfois contestée. Elle a donné une certaine visibilité à l'histoire religieuse. Bon, je sais qu'aujourd'hui, beaucoup sont très pessimistes concernant l'histoire religieuse contemporaine entre autres. Il y a des raisons à cela. Bon, quand même, je remarque que les biographies ont toujours du succès, qu'il faut voir plus large. Je pense aux travaux de Sébastien Fatt, que nous connaissons tous les deux, sur les mouvements évangéliques. On ne peut pas dire qu'il y ait un désintérêt général. C'est vrai que peut-être était-ce trop présent dans les universités, d'où un certain nombre de jalousies internes aux universités, et donc un élargissement de la palette. On ne peut pas dire, c'est vrai que tous les postes d'histoire religieuse contemporaine, qui étaient presque tous consacrés, quasi tous, au christianisme, ne l'oublions pas, seront reconduits. J'ai été très heureux pour ma part, étant à Montpellier, d'avoir fait faire de très nombreuses recherches sur le protestantisme. J'en ai fait de la liste et j'en ai été étonné, y compris au niveau des mémoires de maîtrise et des thèses. Et bien sûr, je ne saurais oublier la religion de Guizot, car sur 300 mémoires de maîtrise sous ma direction, il n'y a que celui-ci, de Pierre-Yves, qui a été publié. Alors, puisqu'on parle un peu d'avenir, à votre avis, quels sont les défis historiographiques dans le domaine religieux pour les prochaines années? Les défis historiographiques. Bon, l'élargissement de la palette des sources. Parfois, il y a des pans entiers qui échappent, surtout pour le très contemporain. Oui, vous avez parlé donc des congrégations. Bah oui, non, mais j'ai parlé aussi du fait que on n'écrit plus, on conserve plus l'écrit. Il y a pour des raisons diverses, n'est-ce pas? Donc ça devient plus difficile. Ça n'empêche que, il n'empêche pas moins que ces recherches sont à encourager. Maladresse des premiers chercheurs, des jeunes chercheurs. Enfin, on peut contribuer à les former. Je crois que c'est pas désespéré, parce que ce qu'on dit pour l'histoire religieuse très souvent, on le dit aussi pour quand d'autres domaines. C'est pas, faut pas s'imaginer que en histoire politique, en histoire de la colonisation, l'histoire des missions est très importante, l'histoire de la colonisation est très importante. Je suis affligé de voir certaines publications où on commence la colonisation par définir le colonialisme. Eh bien, vous savez, la messe est dite, si on parle de colonialisme, c'est pas moi qui vais le défendre, le colonialisme. Or, un récent ouvrage grand public, destiné à des étudiants, vient de l'affirmer. Donc il faut être très prudent. Le rapport mission-colonisation, très important. Nation et mission. Y a les travaux de Claude Prudhomme, entre autres, il y a une revue, n'est-ce pas, publiée à Lyon, dans ce domaine. Il y a les travaux de Jean-François Zorn aussi. Je crois que là encore, il y a un vaste champ, avec des candidats qui sont souvent originaires de pays, justement, où les missions ont été importantes. Et ça, c'est, évidemment, c'est à encourager. Là encore, il y a beaucoup de grains à moudre. Justement, depuis que vous êtes à la retraite, vous faites un très grand nombre de notes bibliographiques et de recensions d'ouvrages. Comment vous jugez les évolutions actuelles de... est-ce que vous trouvez toujours des choses intéressantes à lire qui vous apprennent quelque chose, ou est-ce que vous trouvez ça répétitif et... Oui, je dois recevoir un livre par semaine, et donc je lis beaucoup, je recense de mon mieux, des colloques, des livres d'hommages, récemment celui d'Étienne Fouillou, celui de Marc Agostino, des hommages. Il y a des choses intéressantes, mais il y a récemment, je voyais un colloque de Brest sur la décomposition du christianisme. Dans cet ouvrage, il n'est question que des catholiques. Je vous donne un exemple qui m'a stupéfait. Les sondages montrent que à Bruxelles, le nombre des gens, des sondés, qui croient au paradis a augmenté et
atteint 34% pour des années très récentes. Mais l'auteur de cet article n'en donne pas la raison, qui me paraît être la présence de musulmans. Enfin, c'est aussi vrai que 2 et 2 égale 4. C'est la présence très nombreuse de musulmans à Bruxelles et ailleurs qui explique que la croyance au paradis a augmenté, me semble-t-il, n'est-ce pas? Or, dans ce recueil intéressant, il n'est jamais question des protestants, il n'est jamais question des musulmans, il n'est jamais question des migrants. Enfin, la religion des Espagnols, ça nous intéresse diablement. La religion des Portugais, comment ont-ils été accueillis dans nos pays d'Europe? On s'est foutu d'eux ou bien on a considéré comme des pierres d'attente ces Portugais qui arrivaient avec une gestuelle qui paraissait désuète aux Français? 1 million de Portugais en France dans les années 70, que sont-ils devenus? C'est très important, ces études. Et je remarquais dans ce recueil intéressant cette lacune qui fait qu'on ne tient pas compte de réalités démographiques. L'exemple du paradis me paraît tout à fait symptomatique. Alors, est-ce que vous avez vécu de manière problématique le rapport du croyant et du savant en vous, donc le rapport de l'historien à son objet d'étude, mais aussi à sa foi? Vous parliez tout à l'heure d'une distanciation nécessaire, mais en quel sens Oui, distanciation nécessaire. Je crois que, quelles que soient les convictions qu'on peut nourrir en soi, d'ailleurs, la palette des étudiants qu'on a en face de toi et des chercheurs qu'on a en face de toi implique cette distance nécessaire. C'est vrai chez tous, n'est-ce pas? Quelles que soient les convictions des uns et des autres, ou l'absence de foi religieuse qui n'est pas synonyme de l'absence de foi tout court. Quand j'entends parler des incroyants, ça me gêne énormément. Les militants communistes étaient-ils des incroyants? J'en ai eu plusieurs qui étaient des croyants, comme on n'en fait pas, n'est-ce pas? Mais c'est évident, n'est-ce pas? Je pense à Bruno Modica, que vous avez peut-être connu, n'est-ce pas? Qui m'a fait un excellent maîtrise sur les universités populaires. Ah ben c'est un croyant chevillé. Vous aviez participé, si je me rappelle bien, au livre de Delumeau, au recueil autour de Delumeau sur l'historien et la foi. Oui. Et la réflexion était-elle d'enseigner l'histoire religieuse dans un contexte laïque, ça ne vous a jamais posé, et pluraliste évidemment, ça ne posait pas... Non, je pense que c'est plus facile dans un contexte laïque que dans un contexte d'église. Les réactions des étudiants le montrent bien, n'est-ce pas? Alors Jean Delumeau avait ses points de vue, il a ses points de vue, il a, je crois, beaucoup trop majoré la religion de la peur, mais c'est normal, il étudiait les rigoristes du XVIIe, du XVIIIe siècle, et là il ne s'est pas trompé, mais mésestimant l'inflexion qui a consisté au milieu du XIXe siècle à découvrir et à répandre la théologie morale de Saint Alphonse de Liguori, qui n'a pas reçu comme une lettre à la poste, hein. Ça a été épinglé, ce farceur, disait-on dans certains séminaires, témoignage d'Emmanuel Dalzon, à propos de la théologie morale. Alors petit à petit, on a infléchi, mais là encore, il faut du temps au temps, dans tous les domaines. Il faut du temps au temps, il faut tenir compte de nos migrants tels qu'ils sont, n'est-ce pas? Et pas comme on les imagine dans certains beaux quartiers, n'est-ce pas? Bon, et c'est évident que, par exemple, l'absolution différée a été une réalité dans certains diocèses jusqu'en 1914. Et la crainte de Dieu, au sens crainte filiale tout de même, hein, pas crainte servile, a été une réalité jusqu'à des dates récentes. Ma collègue Marguerite Soulier me disait que son grand-père Bourguet, un Bourguet du Tarn, jeûnait une journée entière à la veille des 4 communions annuelles. Là encore, voyez, intérêt de l'histoire comparée. Alors, en tant que spécialiste d'histoire religieuse et en tant qu'intellectuel croyant, est-ce que vous avez été sollicité pour des débats publics, par les églises? Oui, j'ai été sollicité, oui, bien entendu. Il m'est arrivé de donner des cours à droite ou à gauche, dans des établissements religieux, dans des séminaires. Généralement, ça se passe bien. Maintenant, les gens sont moins crispés, les jeunes sont moins crispés sur des convictions. Ils sont plus relativistes, n'est-ce pas, qu'ils pouvaient avoir autrefois, n'est-ce pas? Ce qui fait que, généralement, ça se passe bien. Vous avez participé à la commission Touvier? La commission Paul Touvier, en effet, c'est à l'invitation du cardinal Albert de Courtrai que j'y ai été invité.
Bon, une anecdote amusante. Oh, ça s'est bien passé à la commission d'Ouvier. J'y ai découvert dans les archives du cardinal Gerlier un document très intéressant sur du futur monseigneur Ansel sur la crise de l'action catholique spécialisée. Ça n'avait rien à voir avec Ouvier, mais justement, heureuse ouverture des archives de Gerlier, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Anecdote amusante, il y avait un journaliste à Lyon à cette époque qui s'appelait Gérard Chauvy. Ce Gérard Chauvy a eu des ennuis avec la justice, et je me souviens d'un collègue de Paul Valéry qui me téléphone: « Cher ami, je suis de cœur avec vous, n'est-ce pas ?» Je dis: « Mais c'est pas moi, je ne m'appelle pas Gérard Chauvy, n'est-ce pas ?» Bon, cette commission Touvier, donc, a été une étape importante, et on a félicité le cardinal de Lyon, archevêque de Lyon, d'avoir ouvert les archives de l'archevêché à cette occasion. Alors vous avez fait une histoire du religieux, mais vous n'avez jamais vraiment fait une histoire de l'Église. Donc et alors, qui aujourd'hui devrait faire... L'histoire de l'Église, mon dernier article publié, c'est l'histoire de la paroisse Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus à Montpellier. Donc voyons, on peut faire même de l'histoire locale, paroissiale, n'est-ce pas, une histoire d'une paroisse. Bon, mais dans une conception globale, par exemple, là, en tenant compte des réalités géographiques de quartier, de peuplement de quartier, etc. Alors dans l'ensemble de vos travaux, s'il fallait retenir un volume ou une thématique, quel serait votre morceau choisi ? Un morceau choisi, c'est la religion en France de la fin du XVIIIe à nos jours, et puis bien sûr la biographie de Frédéric Ozanam. Peut-être aussi l'histoire des organisations et mouvements de jeunesse chrétiens, dans la mesure où, selon l'itinéraire que vous connaissez, je suis très loin d'avoir négligé ce qui relève des éclaireurs unionistes, par exemple, ou des unions chrétiennes de jeunes gens. Très important, la comparaison patronage et union chrétienne de jeunes gens, n'est-ce pas, qui sont un peu dans la même filiation. Et est-ce que vous avez un regret principal et un programme Un regret, non, pour le moment. Un programme... je pense que d'ici quelques mois paraîtra mon dernier cours d'agrégation. Culture au pluriel, j'y tiens, c'est pas la culture qui se crée avec un grand K. Culture au pluriel et religion au pluriel dans l'Occident européen, Irlande, Grande-Bretagne, France, Italie, Allemagne, ça va paraître, et j'en serai très heureux parce qu'on dira, pour une fois, Cholvy ne parle pas que de la France.